Examen philo yo a déroulé à Nessa sorti 29 juin pour arriver 3 juillet, 9e année fondamentale yo 22 pour arriver 24 juin, selon responsable ministère éducation nationale yo qui fait connaître toute disposition prend pour bon déroulement examen officiel yo. Dans une conférence pour la presse journée vendredi à dans ministère, directeur général MENFPA Renold Telfort ak directeur enseignement fondamental là Jean-Wilnor Pierre précisé gen 73 000 candidats qui pral participer dans examen philo yo sur tout territoire national là. 206 300 30 élèves inscrits pour test 9e année fondamentale yo. Yon après l'autre, Renold Telfort ak Jean-Wilnor Pierre nan micro Emmanuel Tolembrina ak Gaston Joseph. Ça c'est lancement organisation examen d'état. Année ça particulièrement nous connaît que nous allégé, nous pas besoin de 10 ans encore, 6e année c'est un examen qui pas officiel, non reto pas officiel, nous gagnons en tout cas examen 9e année, nous gagnons philo. Mais nous gagnons des autres examens particuliers, un examen pour école normale, un examen pour sacré des centres d'éducation familiale qui est un peu particulier. Mais nous concentrons aujourd'hui sur 9e année et sur philo. 9e année c'est semaine qui va venir, lundi a commencé. Et la semaine suivante c'est examen philo. Donc on a examen, c'est un moment important pour le système là, c'est là ça pour nous évaluer élèves, pour nous prononcer sur performance, est-ce qu'il y a retenu, est-ce qu'il y a pas avancé. C'est tout une occasion pour nous faire le point sur apprentissage réalisé dans le système là pour que nous soyons capables de réorienter. Et ça, il concerne à l'échelle nationale 206 330 candidats qui inscrits pour participer à l'examen ça. Et comme nous connaissons, le département de l'Ouest a toujours porté la majorité en termes de pourcentage avec 101 509 candidats. Et le département qui vient tout de suite après, c'est l'Artibonite avec 23 589 candidats. Et le département d'Atlantique qui toujours, depuis pitié petit plan, c'est le département de NIP avec 5183 candidats qui représentaient un pourcentage de 2,31%. Examen SAO qui s'est réalisé à partir de lundi. Dans l'autre année, examen a fait du mardi au jeudi. Mais année ça, il a commencé lundi 22 pour finir mercredi 24. Et examen a déroulé selon horaire ça que n'a pas communiqué on l'autre fois encore par candidat. Lundi matin, n'a pas gagné premier examen c'est communication française qui a déroulé de 9h à 12h AM. De l'après-midi, à partir de 1h30, n'a pas gagné sciences expérimentales. Mardi 23 juin 2015, n'a gagné premier examen qui a commencé à 8h30. C'est communication créole et deuxième examen n'a gagné à partir de 11h30, c'est sciences sociales. Et dernier jour, c'est mercredi 24 juin 2015, examen n'a pas gagné, c'est mathématiques qui a commencé à 8h30. Alors, n'a retourné ce mardi pour nous dire que n'a gagné 3 examens, communication créole qui a commencé à 8h30. Sciences sociales qui a commencé à 11h30 et n'a gagné anglais ou espagnol qui a commencé à 2h. Voilà horaire pour examen 9e année fondamentale à l'ISA.